Yo tout le monde, c'est Tiobush, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons les Jets. Maintenant passé la Confédération d'Asiotras, n'est-ce pas? Là, c'est fou, ils savent exactement où je suis tout le temps. Hein. Alors, on n'est pas forcément dans la meilleure des positions, mais... On se défend comme on peut. Voilà, ça reste compliqué, mais on fait ce qu'on peut. Pour essayer de s'en sortir. C'est toujours pas bon, on est en public. Hein, moins 12. Oh, ça veut dire que j'apporte 22 d'ordre public avec mon roi. La vache. Ah bah, petit coco. Quoi, c'est le fait que j'ai rasé, c'est ça? Stabilité, une. Différence culturelle, ouais. Oh. Ouais, germanique 68% quand même. Oui, bon. T'inquiète, la culturation est en train de se faire. Doucement, mais sûrement. Il y a des troupes à Brindisium. Je l'ai vu un peu tard. Faudrait que je prenne mes troupes qui sont là, que je traverse la mer et que j'essaie de tenir parti. Jamais après ce parti, ils sont pas censés se réveiller avant quelques tours, je crois. C'est ce que je vais faire. Surtout que j'ai un général qui est un petit peu tout seul. Ok, j'ai une idée. Je vais mettre en embuscade. Ils vont pas me voir, donc ils vont dire ok, je peux faire le siège de Rome ou aller à Ariminium. Et hop. Moi je fais une je les intercepte maintenant que mes troupes le tour prochain elles seront rétablies. Ça y est, lui il arrive. Pas facile. En mer, Sparte. T'as que ça à foutre. Tu vois mes troupes, t'es obligé d'aller dessus, quoi. C'est un réflexe, hein, chez le bot, hein. Vraiment, c'est un réflexe, quoi. C'est terrible. Je vais te calmer. Bon, bah, j'ai... Ça a pas mal fonctionné comme je l'avais prévu, hein. Tous les coups il est un petit peu planqué par là, merde. Mais il est où? Je sais pas. Il a pas repris la mer? Je sais pas où il est. Honnêtement, hein. Je vois pas. Par si la droite passage chez Massilia. Ok, l'ordre public il est en baisse, c'est normal, je viens de prendre une ville. Ok. J'ai besoin d'absolument beaucoup de bouffe. D'avoir du public. Faire ça.
Lui, il va, on se souvient, il part chez les Cherusques, lui. Là, j'ai bien fait de refaire revenir mon général. En plus, j'ai mes troupes là qui arrivent. Ouh, j'ai bien fait. T'es toujours en vie, toi? Beaucoup. Ah oui, ils sont pas mal. Et j'ai pas du tout la vitesse pour aller défendre. Mais là, à part s'il y a une chasse de mercenaires, non. J'ai perdu la police. Je devrais reprendre, mais... Ah, moi que... Bah non, je perds pas la police. C'est bon. Pas m'embêter lui. Je vais aller chercher les derniers romains là. Les marcomans ici. Avec son émerge les carnutes légaux. Oh! Là. J'ai le droit de passage chez les Helvètes. Toute façon, je passerai quand même, hein, donc tu me donnes le droit de passage ou pas. Bien ça, ok, ça c'est bon. Mais ils sont pas rapides, hein. Hop, on va s'avancer. Il se barre, donc il est plus en formation défensive. Et donc là, je vais avoir moins de pertes. Impeccable. Ah oui, en plus, ils ont fui. Et comme ils ont fui, pas de retraite. Alors, voyons voir. Du pillage. Voilà. C'est tout ce qu'on veut. Palapapapa. Ah non, c'est pas ça, c'est tout ce qu'on aime. Palapapapa. Putain, je me souviens de vieilles pubs que j'ai vues il y a quoi, 10 ans? Que j'ai dû entendre une fois, il y a... Il n'y a pas longtemps, mais moi j'ai... Comme je vous dis, moi, ça fait 10 ans que j'ai pas la télé, donc... Si j'ai la référence sur des pubs, c'est qu'elles sont passées il y a longtemps. Allez prendre Brindisium, Cosentia. Je me tâte à aller libérer Syracuse. Mais Syracuse va s'entendre bien avec Rome. Moi, je veux pas que Syracuse s'entende bien avec Rome. Au contraire, je veux que Syracuse s'entende mal avec Rome. Voilà, on va leur voler de la bouffe. J'espère que ça suffira. Là, j'ai pas ce qu'il faut en techno, j'ai pas ce qu'il faut en techno. Ah, on va refaire de la bouffe. Ici? Ok. Là, on sait clairement ce qu'ils veulent.
préfère défendre Epidamnos que Navissos, il n'y a pas photo. Un très léger siège. Une petite flotte, un gars méchant. Oh merde. Non, j'ai peut-être mal vu. Peut-être ai-je bien vu, peut-être ai-je mal vu. Vache! Oh le pillage! On va raser. C'est bon, j'ai mal vu. Et j'irai piller et libérer Syracuse. Ouais, je peux faire tomber en un tour. Ah, ça me coûte quand même beaucoup d'unités. On va continuer le siège au moins un tour, histoire d'avoir plus d'unités. Plus d'engins de siège. Comment que ça se passe à ce niveau-là? Ah, là, je peux peut-être partir, enfin. Oui. La question c'est, ils vont partir par là ou par là? À mon avis, ils me voient, bah, parce que le bot voit tout. Mais... Oui. Dans tous les cas, il meurt de faim, là, je crois. C'est simple, si je le vois pas par là... Go à Esti, bah, les Esti ont libéré les Go avant de les rattaquer. Ça, il y a des. Il y a des choses des fois. 57, j'ai un peu moins de pertes. Faire mal à la cavalerie, non, même pas aux unités corps à corps. Bon, je vais raser Brandisium, au moins c'est plus une menace. Moi, je deviens une menace pour Apollonia grâce à ça, donc c'est. Plutôt bon. Quelques lusitaniens là. Toujours se méfier si vous pouvez passer en normal. Il continue à mourir de faim. Logistique, on augmente la génération de nos unités, la récupération de nos unités. Bon, on est bientôt plus en paix avec Sparte. On est bientôt plus en... On traite de paix. Ouais. Du coup là ils sont pas tant que ça. Confédération tribale. Allez, allez. Ok. Et ici ça donne. Que ça meurt de faim. On continue le siège, on va les faire mourir de faim, j'espère que les nerviens vont pas... Ok, ils veulent aller sur les cendres. L'ego. Est-ce que je peux ouvrir le commerce avec eux?
Ah la vache, ça m'a fait découvrir. Oh merde. Mais plus je découvre de factions. Et plus ça veut dire qu'il y en a, ils peuvent venir m'embêter. Ça n'a pas que des avantages. Rien. J'ai du bois, j'ai beaucoup de ressources en vrai. Hein. Oh la vache, ils sont un peu riches, eux. C'est bon, ça augmente mes revenus du commerce. Dû au commerce plutôt. Si je peux libérer ou si c'est des natifs de Tulifurdom, les Chirusques, je sais plus. Je crois que c'est des natifs. Et là, je sais plus qui y a, mais. Je crois pas que ce soit les Chirusques, je sais plus. Ils sont natifs, je peux pas libérer. Rasé, au moins il n'y a plus de chirusque comme ça. Hein. Voilà. On se fait plus embêter. Le public ici il est bon. On augmente la recherche, c'est très bien. La recherche qui nous coûte en bouffe aussi par contre. Hein. Hop là. On va essayer de s'en mettre un peu plein les fouilles quand même. Oh 5600. Ah ouais, ça déconne pas. Hein. Là je vais juste replier le tour d'après. Et libérer Syracuse. Ça va venir, t'inquiète pas. Il va le faire tout seul, Sparta, y a pas de soucis. Et confiance, si je te le dis que ça va être comme ça. Enfin, je crois pas lui avoir tapé assez dessus pour qu'il arrête de m'embêter. Hop. Un deuxième pillage, bon, deux fois moins onéreux, mais. Moi, deux fois moins, qui donne deux fois moins de pognon, mais c'est toujours ça de prix, libéré. Libère Syracuse. J'aurais peut-être dû passer par le sud plutôt que par le nord. C'est pas grave. Est-ce qu'on est bon en ordre public? Voyager, c'est être libre. Oui. Donc. Voilà. En vrai, mes provinces me rapportent pas non plus tant que ça. Hein. Burzis. Même pas trop. Hein. Ouais, j'irai leur passer un petit. J'irai leur passer le bonjour aussi.
T'es des rebelles là-bas? Ouais, parfait. Je pourrais aller récupérer le territoire. Accord commercial. Oui! Et du coup, Syracuse n'aime plus Rome. T'inquiète, pas de suite, parce que je suis pas encore prêt, mais t'inquiète. Action, ok. Attaque. Ce sera l'agriculture. Faction émerge, Bikini. Ah ouais. Du coup, il a quitté la Pologne, lui. C'est qui ça? Rome? Rome, ok. La vache! Oh la vache! Oh la vache! C'est du monde, hein. On va juste piller et on va pas rester dans le coin, hein. Beaucoup trop de troupes ennemies. Rome, il a ramené ses troupes de ses conquêtes là de l'Africa, j'ai l'impression. Il est pas spécialement content là. Il a tout ça là, tac tac tac. Arrête là, là, ça c'est à lui, ça c'est à lui. Il a l'Africa et la Fasania là. Bon, plus à l'Alia, mais ça. Il faudrait que je lui récupère quand même à l'allié aussi. Bon, je suis encore plus de portée en marche forcée. On va pas se forcer alors. Allez, à la marche. Oui, bien joué, ça, Carthage. T'as tout compris. Il a repris l'Ilibium. Ah ouais, mais c'est parce qu'il s'était fait bouffer Caralis. Merde. À moins que l'Ilibéum soit plus considéré comme une capitale que Caralis. Non, c'est bizarre. Ah, il s'est fait pris, il s'est fait pris. Il va prendre Caralis avant de réussir à le reprendre, apparemment. Hop, direction Sigindune, je vais avoir besoin de recruter de fraîches unités. C'est tout? Ah non, mais c'est normal, ok. Quatre, cinq. Voilà. J'ai l'ordre public qui est en hausse partout. On va pas le rester ici longtemps ici. Merde, je voulais voir un truc. Je sais plus, c'est pas grave. Pas sûr, je vais partir plus sur Royan parce que sinon je vais pas avoir la bouffe nécessaire pour
faire des bonnes villes. Ouais, c'est ça que je voulais voir. Ok, déjà j'ai plus les marques comment. Tac, 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 je voulais voir, oui. Combien j'étais au niveau des pièges mis à sac. 24 sur 35, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Il revient. Ah, du commerce. D'éviter un peu les soucis avec lui, ce qui fait que ça va me laisser le champ libre vert. Je vais y envoyer mon espion là-bas hein. Et on va faire du trajet lui. Et on aura vu du pays hein. Hop, ah, j'étais persuadé. Ah si, voilà. Source minérale, source minérale. Oh là, il y a des esclaves par là. Comme l'impression que ça va encore terminer chez moi, ces esclaves. Oh mais oui mais... Après si je peux pas traverser la mer si facilement que lui. J'ai pas les navires adéquats. Même net qu'ils me font une bonne proposition en plus. Ah merde. Ça? Ah oui. On va les laisser grandir un peu, ça évitera une prochaine rébellion. Ah, j'ai vu qu'il y a des esclaves dans le coin. Quand même essayer de se protéger, on ne sait jamais. Hop, je vais leur demander de protéger là. Ils sont 9, là ils sont 9 aussi. Hein, là je crois que je les ai chassés, non? Il n'y a pas un truc comme ça. Je vais recruter quelques troupes, on sait jamais. Vache! Je peux en recruter. Je peux recruter vachement de monde. Salut, ça vous intéresse du commerce?
bouge. Ramène, mollusque, ramène. Je pense que je vais recruter une flotte. Ça m'a étonné que j'ai un général qui a... que j'avais déjà une flotte. Mais comme on sait jamais. Je préfère regarder avant. Ouah, ça coûte cher. Je sais pas donner. Ça a intérêt de valoir le coup. Après, je suppose que ça reste du bon bateau. Ouh. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Je suis tombé dessus par hasard. Ah, ils passent par là. Hein. Là, ça sera plus un problème. Bienvenue parmi nous. Et là on retourne sur les Spartiates. Alors merde, ils sont alliés. Les Boyens, coucou. Je vous file un coup de main. De toute façon ils ont jamais lâché, ils m'ont jamais lâché en objectif. Donc Sparte est aux mains des Athéniens. Ah ouais? Ah mince, je pensais que... Bon, ils m'auraient peut-être laissé tranquille alors. Je pensais qu'ils avaient l'ensemble de la province de Hellas, mais non. Pas du tout. Waouh. Il y a quelques petits soucis lui. Je sais pas trop ce qui se passe là-bas, mais... J'ai fait tomber Péia, j'ai fait tomber Polonia. Très bien. Il sait faire prendre ça lui. Là je vais emmener une troupe ici, je sais pas pourquoi. Comme un mauvais pressentiment. Je vis pour servir mon peuple. Hop. C'est vrai que je l'amène chez les Romains, lui. Loin, il va traverser. Il va traverser. Oh, il a bien traversé la moitié du monde connu, lui. Hein. Athènes, ah ouais. Bon, j'ai pas voulu accepter de base, je sais même pas ce que j'ai accepté. Honnêtement, je sais pas ce que j'ai accepté. Hein. Ah, sûrement on a un accès. Hop.
colonie pour la tribu. Non, mais on veut les encercler, on veut laisser mourir de faim. S'il attaque, c'est à mon avantage. S'il attaque pas, c'est à mon avantage. Putain, l'ordre public. 48. Je suis pas en fin de partie. Ah ouais, c'est vrai, ça fait un moment que je vous avais laissé traîner là, vous. Faire augmenter mon ordre public, je vous ai totalement zappé. Et bah, pas de peau, je suis repassé dans quoi. Bon, les nervins, je m'entends à peu près bien, on a un accord commercial. Qui devrait pas m'embêter de suite. Esti, ah ouais. C'est l'ego qu'on gagne, ça me va, je m'entends bien avec l'ego. Là il meurt de faim petit à petit. Hein. Moi j'ai des pertes aussi, mais j'ai une deuxième armée à côté. Qui elle ne subit pas de pertes donc. Donc c'est tout bénef. Hop, toi. J'ai besoin que tu recrutes. T'as perdu deux unités de lanceur en armure, donc tu vas les re-recruter. Et ensuite, j'irai sur Athènes. J'irai pas m'embêter. Surtout qu'Athènes en plus, bah là il est isolé. Avant il avait son allié Sparte. Maintenant il est isolé. Hein. Enfin, il peut partir par la mer quoi. Mais... Ah ça pue l'agent ça. Oh ça pue l'agent. J'espère que c'est pas un recruteur à la con. Je vais continuer l'encerclement. Ouais, pas terrible. Je vois que je perds de la portée. Non, c'est pas bon ça. Et je suppose que là je vais avoir beaucoup de royaumes à améliorer. Ça coûte 2008, ça reste raisonnable. 2004 ici, 2007, c'est pas les mêmes prix. Ça dépend de l'ordre public, je suppose. Burzis. Ah ouais? Ah oui, c'est le territoire que j'ai pris en Marcoman, ça. Ça, c'est une victoire. Écoutez, hein, qui viennent, hein.
contre, ça veut dire qu'il est passé par chez quelqu'un. Ah putain, des esclaves là-bas. Ah, ça devrait être bon. Bien, si bien, non, t'es passé par chez toi. C'était pas à toi, ça, avant. Il n'y a pas si longtemps, ça n'appartenait pas, hein. Je suis à peu près sûr. Équilibré. Mon roi gagne un niveau, super. C'est une légende. D'accord, ça devrait pas passer là. Je veux bien que j'ai pas beaucoup de troupes, mais il en a pas beaucoup non plus. Ça reste une ville. Ah, il a faut que je recrute à Sigingden. Ah bah impeccable. Merci Enervien. De venir régler votre problème, c'est bien. Franchement. Oh putain, en plus je récupère 3400. On n'y a rien fait. C'est génial. Là, bah, il est forcé de sortir. Il est sur moi d'équilibrer. Le but est d'avoir le moins de pertes. Je vais faire l'esclave. Quand je rase, j'ai moins de stabilité provinciale. Ok. Bizarre. Ah, c'est peut-être dépendant des factions, ça, par contre. Eh hey. Merci. Je clique sur ma troupe, je clique pas sur ton espion. Rien à foutre de ton espion, toi. Hop, 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 hop. Miam miam, miam 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 miam, miam miam miam. Voilà. Trois tours avant la reconstitution. Et il va la recruter des mercenaires, il va sûrement aller Noria ou Segestica. Le reste, je suppose que. Ouais, il y en a une là. Mais ils feront pas grand chose. Hein. Donc j'ai enfin du pognon pour m'occuper un peu de mes personnages, dis. J'y croyais plus. Ah oui, c'est vrai. Oh, il a déjà fait un bon, une bonne partie du chemin. Hein. Bon, Sparte. Maroof d'honneur. Ah non. Ah bon? Je pensais. Bah apparemment, je me suis trompé. C'est que là, ben... Là, je te fais couler. Je vais te faire couler, t'inquiète. La vache, la perte que j'ai là. Je perds 40%. Oh, allez, on va se faire mettre un peu là. Putain, les troupes que je perds pour que dalle.
chiant. Là, en vrai, en plus, Rome, ils arrivent, il fait quoi? Il fait, bah, je te récupère, non? C'est comme ça que ça marche? Je pensais pas que je perdrais autant de troupes pour que dalle. Hein. Okay, je peux améliorer mes ports de pêche, ça c'est cool. J'ai quelqu'un pour me protéger, on dirait. Bon. Là, Athènes s'est fait virer de chez lui, enfin de là-bas. C'est pas mal. Bon, bah, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour aujourd'hui. On va juste terminer là, que les tours passent. J'espère que l'épisode vous aura plu. Encore une fois, on s'est sorti de nombreux bourbiers. Enfin, on est de certains bourbiers, mais il nous en reste. Impeccable. Les venettes, les dernières à jouer. Je vous propose de me retrouver moi très bientôt pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Thiob.